temps. Ça s'est bien passé. Donc, j'étais vraiment anxieux ce matin parce que ça fait 10 mois que j'ai pas joué un match avec les pros. Et finalement, ça s'est bien passé. Donc, je suis content. D'abord, je suis content parce qu'on a gagné. Et deuxième, je suis content parce que j'ai pas eu de mauvaises sensations, j'ai pas eu de douleur. Donc, c'est bien. Alors vous avez gagné, mais ça a quand même été laborieux et beaucoup de chance quand même, parce que vraiment des mauvais choix, vraiment, Biarritz n'est pas rentré dans son match du tout. Non, c'est sûr qu'on a laissé les larmes aller. Direct dans le match, on n'a pas su imposer notre jeu. On a fait trop de passes, on n'a pas été assez direct. On a vu une équipe de Narbonne qui jouait très bien au ruck. Ils nous ralentissaient le ballon chaque fois. Ils prenaient pas mal de pénalités. C'était vraiment difficile pour nous de mettre notre jeu en place. Et je pense que après la mi-temps, les coachs ils ont dit allez, il faut qu'on soit plus direct, plus physique. Et à la fin, ça a payé. Avec la mêlée, les mauls, la touche, c'était pas mal à la fin. C'est rassurant de savoir que vous avez quand même pu inverser le cours du jeu, où vous faites encore peur et du coup vous êtes inquiet pour cette fin de saison. Je suis pas inquiet. On a montré en deuxième mi-temps que si on reste dans notre plan de jeu, on peut faire les choses plutôt correctes, on peut marquer les essais, mais il faut voir. On a fini le match avec 5 points, donc c'est bien déjà. Mais c'est sûr qu'il vaut mieux le faire dès le coup d'envoi qu'attendre une heure de jeu avant de s'imposer. Mais j'espère que la semaine prochaine, on va pouvoir faire ça de suite, parce que c'est très important pour cette fin de saison. C'est inespéré un peu ce bonus, d'avoir arraché ce bonus, vu le match, le deuxième mi-temps. Ouais, mais ça nous donne un peu de confiance qu'on cherchait. Et il y avait des matchs comme la semaine dernière quand on avait beaucoup de possessions, beaucoup de jeux, mais on marquait pas les essais. Et là, on a montré aujourd'hui que si on garde le ballon en mêlée, si on garde le ballon en touche, si on joue avec les trois quarts lancés, on peut avancer, on peut marquer, c'est bien. Mais comment expliquer ces matchs un peu à mi-temps contre Béziers, on avait fait un bon début de match, c'était plus compliqué en deuxième mi-temps. Là, c'est l'inverse, la première mi-temps était difficile, c'était mieux un peu en deuxième mi-temps. Alors, comment expliquer ces matchs à mi-temps? Comment expliquer? C'est difficile. Si je pouvais expliquer, j'ai dû aider avec ton coach. C'est la concentration? Ouais, c'est un peu ça. Je pense que aujourd'hui, on a vu beaucoup d'espace, mais on n'a pas su exploiter. On a essayé de faire le passe de plus, le passe de trop, en fait. Et on a laissé les portes de ballon sans soutien. Et eux, ils ont ralenti le ballon, comme j'ai dit, et ils ont pu ralentir notre jeu. Mais il faut qu'on reste dans le système qui est mis en place. Et si on fait ça avec de la vitesse et avec précision, on va faire quelque chose de bien. Oui, parce qu'il faisait beau, donc oui. Vous aviez envie de gagner, donc envie de trop jouer finalement. Je pense que c'est ça. C'est ça. Et, avec ça, quand on lance les joueurs sans soutien, on ne va jamais gagner le ruck. On n'a jamais sorti le ballon avec vitesse. Quelque chose qui nous, on a besoin pour faire notre système. C'est basé sur ça. Donc, s'il y a quelqu'un qui sort du système, ça ne marche plus. Donc, il faut qu'on soit plus précis et reste dans le système, c'est tout. Ces deux victoires à domicile, ça va vous donner assez de confiance avant deux gros matchs à l'extérieur de suite qui arrivent. Ça peut vous donner la confiance avant d'aborder ces. Oui, je pense que si on avait joué encore mieux, ça aurait été mieux encore. Mais là, on attaque deux matchs très très difficiles à l'extérieur. Et peut-être ça va être une leçon aujourd'hui à apprendre. Reste dans le système et ça marche. Si on ne fait pas, on ne va pas gagner à l'extérieur, c'est sûr.